Mais bah, tu crois à la fin, en train de prendre une photo de famille. Nous sommes en train de prendre une photo de famille. Voici un peu les membres du ministère. Voici un peu les membres du ministère. Nous venons de finir juste une réunion technique. Réunion technique. Et en même temps, je communique en même temps sur le programme pour le prochain programme. Nous aurons une grande croisade de retraite à partir de jeudi, mercredi 24. La semaine prochaine, mercredi 24, à Zaroko. Ici, nos activités démarrent tous les jeudis. Et à Zaroko, c'est notre base. Ici, c'est l'administration, centre d'hébergement et tout ça. Et donc, voici tous les personnels du ministère, voici ceux-là qui vous servent tous les fois. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sur le terrain. Nous demandons assez de soutien à tout le monde. Aidez-nous pour que nous soyons encore plus efficaces sur le terrain. Aidez-nous. Je dis merci à Jaël depuis Berlin. Je dis aussi merci à Elisabeth Dobé depuis la France. Elle est avec nous. Et tous ceux qui, à Louise aussi, et tout ce monde en France qui nous soutient dans tout ça. Je dis aussi à Patrice, Patrice aussi, bien sûr, et tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Qui voient nos vidéos sur le YouTube, voici tous les services. Voici tous les services. Soutenons-nous dans la prière. Parce que nous voulons éradiquer la sorcellerie de la Côte d'Ivoire. Nous avons 3 années. Si nous sommes réellement équipés, nous avons des 4x4, nous allons éradiquer par la grâce de Dieu la sorcellerie de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est possible, c'est possible. Parce que nous avons déjà l'onction. C'est les moyens qu'il faut, nous trouvons tous les moyens. Vous êtes aussi à centre de prière plénière. C'est l'administration. C'est le siège. Vous êtes à Divo. Nous avons décidé de travailler à l'intérieur. C'est pour nous, pour que nos parents soient évangélisés. Et qu'ils acceptent pleinement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Shalom, que Dieu bénisse. Amen.